conduit le docteur de la loi intègre à l'analyse dont se déduit le syllogisme. Et la loi divine a conduit les sages à l'analyse dont se déduit ce qu'on appelle la raison. La raison étudie la loi divine, l'érudition étudie la sagesse. J'affirme que ce qui est prouvé, sans être attesté par la jurisprudence, est sujet à interprétation. Aucun musulman croyant ne peut en douter. La raison est à la fois l'amie et la sœur de la loi divine. Les prétendus conflits entre raison et loi divine sont une invention mal intentionnée.